Salut à tous, c'est maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment hacker un Agario. Donc, alors en fait, vous allez avoir un bot qui joue à votre place. Donc, comme là, vous venez de le voir, c'est pas impossible de mourir. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour Google Chrome et pour Firefox. Donc, moi, ce sera pour Firefox. Donc, je peux pas le faire pour Google Chrome, mais je peux vous montrer. Donc, alors déjà, il faut, pour ceux qui sont sur Firefox, aller sur le lien de GrazMonkey. Donc vous l'installez, donc vous savez installer un plugin je pense, vous cliquez sur Add to Firefox, il faut redémarrer maintenant et vous aurez un petit icône comme ça. Après, pour Google Chrome, vous faites disponible sur Firefox, donc c'est TemperMonkey, c'est exactement la même chose que GrazMonkey. Après, vous allez sur ce site. Donc vous choisissez votre navigateur, donc soit Chrome ou Firefox. Donc moi, hop, c'est Firefox. Après, là, vous faites Next. Donc là, il demande d'installer GrazMonkey plugin pour Firefox. Donc si jamais on fait Chrome, voilà, hop, installe TemperMonkey. C'est exactement la même chose. Donc une fois, donc là, comme vous l'avez déjà installé, vous faites Next. Donc voilà. Alors après, il faut faire ça. Il faut cliquer en fait sur les deux liens en orange. Voilà. Donc la première fois, donc vous avez deux liens comme ceci. Donc là vous faites raw. Donc après là vous faites installer le script. Donc moi je vais voir ce que j'ai déjà fait. Donc là exactement pareil, raw installe le script. Et voilà, c'est tout bête. Alors ensuite vous faites next. Ils vous disent go to Agario. Vous allez sur Agario. Et donc là, donc voilà, donc là je suis encore mort apparemment. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas impossible de mourir. Donc alors là, quand vous allez démarrer une partie en fait, et ben vous allez être en I'm really a bot, ou un truc comme ça. Après, pour faire les modifications, vous faites échop, donc vous voyez que la partie continue. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, il y a oppose bot, donc ça veut dire que c'est le bot. Vous faites play in guest. Bon, là, comme j'ai déjà lancé une partie, ça la reprend. Donc sinon, vous pouvez appuyer sur T, donc là, ça va enlever le bot. Donc là, vous voyez que je suis bien ma souris. Hop, donc là, je vais le remettre. Donc, en réappuyant sur T. Donc là, vous voyez les commandes, hein. R, donc c'est pour les lignes. Voilà, donc là, vous voyez. Hop, pour les lignes. Donc moi, je préfère les laisser. Après, follow moi ou CQ. Mais je crois qu'on peut pas vous manger, je vais essayer. Et vous voyez, en fait, c'est, on peut pas vous manger, on peut pas. C'est-à-dire, si jamais il y a un danger, le gars, il se barre. Oh, putain. Ah, donc là, hop, il ne suit plus, hein, comme vous voyez. Donc j'ai rappuyé sur Q. Donc là, vous pouvez faire S. Donc là, en fait, c'est pour aller au ralenti, je crois. Je sais pas. Ah, donc là, il suit votre souris. Il fait quoi? Donc voilà, c'était les petites commandes. Donc genre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez laisser le bot. Et dès que vous êtes un minimum gros, et ben vous appuyez sur T. Et vous faites vous-même la partie quand vous êtes bien gros. Voilà. Donc c'est... Alors ça peut toujours être utile, hein. Donc moi là, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à partager. Et laissez un petit like, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!